Bonjour, je me présente Eric Rivière, plombier sur Clamart. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration donc d'un remplacement de joint sur une installation chez vous, voilà, au cas où vous auriez une fuite sur un joint. Donc alors, la première étape déjà, c'est de couper l'eau, bien entendu, ça je pense que c'est évident. Ensuite, la deuxième chose, c'est de s'équiper d'outillage. Voilà. Donc là, en l'occurrence, une clé à molette ou une clé. Là, je vous la montre, mais je ne vais pas l'utiliser. Une clé correspondante au diamètre de l'écrou. Voilà. Donc là, je n'ai pas de clé qui correspond à ce diamètre-là. Donc, je vais utiliser la clé à molette. D'utiliser donc un cutter ou une lame de scie. Je vous expliquerai après, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, alors, la première chose à faire déjà, c'est de se positionner la clé à molette au bon endroit. Donc, comme je vous ai dit, déjà, vous avez coupé l'eau. Alors l'idéal, comme une fois que vous avez coupé l'eau, c'est quand même d'ouvrir un robinet pour être persuadé que vous avez bien coupé l'eau. Enfin bon, ça normalement, l'idéal c'est de couper le général, comme ça au moins vous êtes sûr. Donc là, on positionne la clé à molette, on la serre sur l'écrou, voilà, de façon à pas la mettre de travers. Surtout, très important, ne pas utiliser de pinces multiprises, car les pinces multiprises ont tendance à ovaliser les écrous, donc c'est relativement déconseillé. Donc plutôt utiliser des clés qui correspondent au diamètre, voilà. Donc alors, bien positionner l'écrou. Donc le serrage et desserrage, serrage sens des aiguilles d'une montre, desserrage sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc automatiquement sens inverse des aiguilles d'une montre, je desserre l'écrou. Une fois qu'on a desserré le plus dur et qu'on sent qu'on peut terminer à la main, ça ne sert à rien de tourner avec la clé à molette, surtout quand on a des parties autour parce que les joints ne sont jamais très accessibles. Donc on continue à la main. Donc c'est vrai que normalement toutes les pièces sont généralement, bah, elles sont bloquées soit dans un mur ou de chaque côté, donc elles sont serties, donc on ne peut pas l'enlever comme ici. Donc je vais simuler comme si cette pièce-là était bloquée. Donc je desserre l'écrou, tout doucement. Voilà. Une fois qu'il est complètement desserré, je l'écarte des deux épaulements, je le retiens, et c'est à ce moment-là que je fais rentrer le cutter en action. Donc alors, la chose à faire, c'est donc d'évacuer ce vieux joint. Donc généralement, comme je vous dis, si vous n'avez pas de dévêtissement, vous ne pouvez pas pousser la pièce. Donc on arrive toujours à pousser 1 ou 2 000 de façon à pouvoir évacuer le joint. Donc vous évacuez le joint. Voilà. Donc on le pousse bien en dehors de son siège. Une fois qu'il est parti de son siège, très important, toujours bien nettoyer les deux épaulements. Donc vous avez les deux épaulements, ce qu'on appelle les épaulements, c'est la partie mâle et la partie femelle. Donc que vous avez ici, donc qu'il faut nettoyer. Donc on nettoie bien les deux épaulements. Hop, on gratte. On enlève l'excédent du vieux joint fibre qui est resté. Car si vous nettoyez pas ces vieux joints de fibre qui restent coincés sur les épaulements, automatiquement vous allez avoir une fuite. Donc on nettoie bien. Voilà. Donc si c'est sur une partie démontable, je vous montre. Si par exemple c'est une pièce qui est démontable complètement, donc on prend la pièce et on gratte avec le cutter comme ceci. Voilà. Donc rien de bien compliqué. On enlève uniquement l'excédent du joint. C'est-à-dire on ne va pas creuser dans le cuivre. On enlève uniquement l'excédent du joint. De façon à enlever toutes les imperfections et d'avoir un siège, comme vous pouvez le constater, qui est nickel. On fait donc cette partie-là. On fait l'autre partie. On nettoie donc le siège. Pareil. Idem. On enlève toutes les impuretés. Et là, on peut choisir le joint. Donc, alors, l'idéal, quand on ne connaît pas les diamètres de joint, c'est d'avoir tout un petit assortiment de joints de façon à tomber sur le bon. Alors, il faut savoir que dans les joints, les plus courants, c'est 12-17, 15-21 et 20-27. C'est les diamètres qui sont le plus courants dans le, comment dire, chez les particuliers. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on met le joint sur le siège. Voilà. On place notre pièce, on la replace. Alors, petit conseil pour remonter. Donc, le serrage sens des aiguilles d'une montre. Donc là par contre, juste pour retrouver le cran, pour éviter de visser de travers, parce que si vous jamais vous forcez et que vous vissez de travers, à ce moment-là la pièce est foutue. Et donc à ce moment-là, il faut carrément changer l'écrou et même peut-être même l'autre partie. Généralement, c'est plus l'écrou qui a tendance à foirer. Donc là, on tourne dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à sentir le petit cran. Voilà, là on a bien entendu le petit cran. Donc là, ça veut dire qu'on est retombé dans le filet. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à serrer tout doucement à la main. Donc on avance au maximum à la main, de façon à pas travailler trop avec la clé à molette. Ça avance pas et puis c'est plus fatigant qu'autre chose. Une fois qu'on est arrivé au maximum du serrage qu'on peut donner à la main, à ce moment-là, on prend la clé à molette. On la règle donc au diamètre qu'on a besoin. Et là, on serre. Alors le serrage, très important, ne pas trop serrer. Serrez modérément. Voilà. Donc on ne va pas plus loin. Parce que si vous serrez trop, vous allez couper le joint. Il faut savoir qu'un joint fibre, déjà,
quand il est sec, qu'il a cette forme-là, une fois qu'il est au contact de l'eau, il gonfle. Donc, si vous serrez normalement, avec le contact de l'eau, il va gonfler. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire des serrages très importants. Alors, si jamais vous n'avez peut-être pas assez serré, vous n'avez pas osé trop serrer, que vous constatez qu'il a encore besoin d'être serré, n'hésitez pas. Une fois que l'eau a été remise, vous pouvez resserrer. Donc, vous faites simplement un petit coup. Vous y allez vraiment, mais tout doucement, petit à coup. Un petit à-coup pour éviter de couper le joint. Parce que si vous coupez le joint, ça sert à rien, il faudra recommencer. Et puis vous pouvez même finir par casser le collet battu. Voilà. Bah écoutez, je pense que pour la première démonstration du changement de joint, voilà, je pense que c'est terminé. Et puis je vous souhaite un bon courage. Au revoir.